Bonsoir tout le monde. C'est trop fort pour m'attarder. Hop. Bonsoir, voilà, bienvenue. Bonsoir à Norlando. 130 streams consécutifs, effectivement, où t'arrêteras-tu? Ouh, mais plus haut, c'est le soleil. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace intersidéral, au-delà des galaxies, des trous noirs? Plus loin que Capitaine Flamme. Bonsoir, Kazartox. Bienvenue, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps, j'espère que vous avez la forme. Salut, Zeros. Et oui, et Miu est là. Miu veut ses câlins du soir, voilà. La saison froide a démarré, donc Miu est de retour sur les genoux. Alors, important, très important. Ça fait maintenant 2 semaines que Miu est remonté sur la bibliothèque de mon salon où j'ai posé un petit coussin et une couverture. Et ça, c'est le signe que c'est maintenant l'automne. Voilà, c'est comme la grenouille qui monte ou qui descend à l'échelle. Comme Miu monte sur le meuble, c'est qu'il va faire froid. Voilà. Et puis elle recommence à dormir avec moi aussi la nuit. Ça, pareil, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Salut Rastanos. Ah ça, tu t'es marié à Orlando. Félicitations. Bravo. Kazartox, t'es pas encore au Japon? Ou tu nous suis avec le décalage horaire, hein? Miu, arrête avec la clé USB. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est fou, hein. Je pense qu'en plus, ils sont tous coordonnés, les chats. Ils ont une espèce de baromètre intérieur, mais je pense commun. Partagé par tous, une espèce d'esprit de ruche. Hein. Et tous les chats, en même temps, le même jour, se remettent à dormir au chaud. Eh ben, félicitations pour ton mariage à Norlando. Heureusement qu'on n'a pas streamé samedi, hein. T'aurais été bien embêté. T'aurais dû repousser le mariage. Ou t'aurais peut-être pu streamer durant ton mariage. Ça aurait été marrant aussi. Voilà. Pour les invités, écoutez, hein, on n'aurait jamais eu autant de spectateurs que durant ton mariage. En plus, il faisait beau ce week-end, t'as eu de la chance. Donc c'est cool, bravo. Voilà, et Miu m'attaque maintenant, donc voilà. Voilà. Tu m'attaques en fait. Oui, bah ça va pas, voilà, ça va pas. Y'a rien qui va, regardez. Ah putain, la saleté. Bon, Miwa, t'as suffi. T'as eu ta pâtée, t'as de l'eau fraîche, t'as des croquettes, t'as eu des câlins durant 10 minutes au moins. Alors heureusement que le jeu ce soir n'est pas interactif parce que j'aurais du mal à bouger mes mains devant cette espèce de bête sauvage là qui me regarde avec ses yeux tout noirs. Le programme de ce soir c'est de se faire un chapitre on va dire, un stream un petit peu court, je suis un peu fatiguée, de Birdcage of Horror, donc qui est un jeu d'horreur entièrement FMV, sans gameplay, c'est juste un film en fait, même pas interactif, donc petite séance cinéma. Être tranquille pour la reprise et pour pas finir trop tard. Je sais pas ce qu'elle veut. Voilà, je sais pas ce qu'elle veut, mais elle est vénère. Elle est vénère, pourtant, t'as vu ta pâté, hein. T'as vu ta pâté deux fois? T'as vu tes deux portions de pâté? T'as vu tes deux portions de pâté? Non, tout va bien. J'étais vénère ce matin que je parte bosser déjà, donc là elle est juste à nouveau vénère parce que je suis allée partie bosser à mon avis. On va pas se calmer. Mais avant ça, est-ce que vous avez entendu parler des rumeurs? Déjà, est-ce que vous avez suivi... est-ce que vous avez vu les leaks? Tout le monde a vu les leaks. Les leaks du Shinobi par Dotemu, hein. Enfin, ça c'est... voilà. De toute façon, on savait déjà, il n'y a pas de secret. Et également les leaks de gameplay de Crazy Taxi. Ah tiens, pendant qu'on parle de FM... je sais pas si vous avez suivi, parce que bon, c'est peut-être pas votre truc si vous jouez pas à FM en général, hein, mais il y a eu une première compétition mondiale, la Coupe du Monde de Football Manager, hein, qui a eu lieu, je crois, il y a 15 jours. Hein. C'est la même fédération qui fait la Coupe du Monde de FIFA. Et cette année, c'était la première fois qu'il y avait une Coupe du Monde sur FM. Et des Français se sont vraiment distingués en finissant, je crois... très bien placé à la fin de la première saison, en fait ils faisaient plusieurs saisons d'affilée, et en gagnant la Champions League et en perdant contre les futurs vainqueurs du tournoi. Ça va l'air très cool, donc bon après il faut MFM, hein, faut suivre,
Faut suivre, mais ça va être très sympa. Donc bravo, bravo aux Français. Et est-ce que vous avez vu aussi, je reviens sur les leaks après, parce que Rastanos, évidemment, tu parles de Captain Silver, ça, pareil pour le bingo, un point Captain Silver. Est-ce que vous avez vu? Zeros, c'est à toi que je parle, je sais que t'as vu, et donc ma question c'est, est-ce que tu as commandé un exemplaire de Captain Silver, neuf en boîte? J'espère que oui. T'as pas commandé un exemplaire neuf de Captain Silver, neuf en boîte, pour Mark III au prix délirant de 49,95 €? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je pense que j'ai mis, est-ce que j'ai le lien quelque part? Est-ce que vous avez vu passer ça? Ah, le stock de Captain Silver. Hein. Attendez. Attendez. Je vais retrouver le lien. Parce que là, ça, là, c'est quand même incroyable, quoi. Je suis. Voilà. Captain Silver. Évidemment, c'est le seul moment où je peux taper dans Twitter Captain Silver et tomber sur des résultats, je pense, pertinents. Non, j'ai pas. Non? Captain Silver, New peut-être? Ah là là, je ne sais pas, je ne trouve pas, je ne trouve plus l'adresse. Ah, c'était Hamster Joueur hein, qui avait posté ça. C'est pas cher pour un jeu neuf, franchement. Non mais franchement, ça n'est pas cher pour un jeu neuf, tu te rends compte? Non, 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 c'est vraiment une affaire. Hein. Et en fait, il y a un petit côté. Est-ce qu'il y a un effet la case? C'est-à-dire que dans la case rétro, quand on parle d'un jeu, dans la foulée, il y a une annonce d'une réédition, d'un remake, d'une suite, peu importe. Et là, peut-être qu'il y a un effet des streams de Zeros, où si on parle beaucoup, beaucoup d'un jeu, maintenant, beaucoup, 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 beaucoup d'un jeu, eh bien, peut-être que. Au bout d'un moment, si les planètes s'alignent, il y a une réédition qui est annoncée. Peut-être. Ce serait quand même assez chouette. Ce serait quand même assez sympa. Où est-ce que j'ai vu ce truc-là, Captain Silver, là? Bon, tu dois le trouver, toi, Zeros, vu que je te l'ai retweeté, enfin. Tu fais aucun effort. Ah si, c'est bon, je l'ai. Oh là là, je l'ai, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je vais mettre un petit signet, d'ailleurs, sur ce poste. Regarde, c'est 48,99 €, franchement, à ce prix-là, c'est mal, c'est vraiment, c'est impossible de passer à côté. Même moi, j'hésite à en acheter un. Au pire, c'est pour MO5. Voilà. Mais vraiment, vraiment, ce sera quand même cool, quoi. Voilà. On a passé un an à jouer à VF5 pour relancer la hype sur VF. Rastanos, juste par le seul pouvoir de ses commentaires acerbes, réussit à lancer la hype sur Captain Silver. Incroyable. Le pouvoir quand même de la. Le pouvoir de nuisance, j'ai envie de dire. C'est un pouvoir de nuisance à ce niveau-là. Hein. C'est un pouvoir de nuisance qui. Bah écoute, Rastanos, franchement, on fait de la politique. Hein. Parce que là, je vois pas ce que. Faut pas gâcher ce talent-là quand même. Hein. Le fait d'être à ce point ennuyant que les choses arrivent comme ça. Faut en profiter. Hein. Faut en profiter. Donc, retour sur les leaks. Hein. Shinobi, bon, pas de surprise, évidemment. Crazy Taxi, on savait que ce serait un jeu multi. Bon, apparemment, évidemment, il n'y a plus de notion de clients qui sont uniques. Les clients semblent être partagés avec tous les joueurs et ne pas disparaître quand quelqu'un s'arrête. C'est un peu dommage. Après, je pense qu'on est on est dans de l'alpha, dans du voilà, donc c'est pas très, très inquiétant. Mais bon, en tout cas, ça a l'air joli. Donc il n'y a pas de, y a pas d'alerte. À ce stade-là, je trouve qu'il n'y a pas d'alerte sur ces annonces-là. En plus, c'est 2022, ouais, donc c'était il y a 2 ans maintenant. Cela dit, je sais pas si vous vous rappelez de la petite vidéo qu'ils avaient faite hein, il y a quelques mois pour trouver des talents à embaucher dans le studio. Ils n'avaient pas non plus toujours trop l'air de savoir ce qu'ils voulaient faire avec leur jeu. Hein.
Donc, bon. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué depuis 2022, à mon avis. Ils sont encore en train de se chercher. Mais en tout cas, c'est pas, y a pas d'alerte. Voilà, pas d'inquiétude. Tant qu'on verra pas de vidéos de Golden Axe ou Street of Rage, on n'aura pas de quoi arrêter les pacemakers, quoi. Mais effectivement, Rastanos, parce que peut-être que TGS, on verra Captain Silver, parce que Captain Silver, c'est quoi? C'est un jeu de pirate. Et quelle est la dernière rumeur en date sur le prochain Yakuza? C'est un Yakuza pirate. Eh non! On a vu débarquer, alors je sais plus, c'est sur Rosetera, des soupçons, enfin, quelqu'un, un informateur qui aurait dit « Oui, prochain Yakuza, truc des pirates. » Bon, les sources concordent. Voilà, les sources concordent. Alors, il y a eu des pirates, il y a eu une ère de la piraterie au Japon, je crois que c'était entre... alors, des pirates... genre en l'an 400, mais ça me paraît un peu loin. Mais il y a eu une ère de la piraterie au Japon entre, je crois, 1300 et 1700, en gros. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il n'y a pas franchement de figure historique emblématique de ce que j'ai lu, contrairement à ce qu'ils avaient fait dans Yakuza, Kenzan et Ishin. Et revoilà Biyu. Mais bon, pourquoi pas. Après, faudrait pas qu'ils se dispersent trop, quoi. Puis surtout, ce serait quand même dommage de faire un Yakuza pirate, de faire un Like a Dragon, donc un RPG avec des pirates, et non pas un Skies of Arcadia. Parce que là, ce serait quand même du troll. Mais bon, est-ce qu'on n'est pas un peu habitué à ça? De la part de Sega, c'est possible. Non, mais ils vont recycler un petit peu Hawaï. Ils vont trouver des trucs. Ils ont fait de faire des bateaux pour Hawaï. Et ben voilà, un bateau, c'est un bateau. Like a Dragon Yamato. Non, mais là, c'est chaud, hein. Non, là. Et puis, il y a quoi comme autre rumeur? De quoi? De quelle rumeur? Non, c'est la seule qui est sortie, celle-là. C'est la seule qui est sortie. Alors, il y en a d'autres. Hein. Mais pour protéger mes sources, je dirais rien. Mais oui, effectivement, par contre, Yakuza Wars, c'est un jeu mobile chinois. Donc, aux effets total. Là, on n'est même pas sur de la réutilisation d'assets, on est sur du cash grind. Voilà. Ça n'arrivera sûrement jamais chez nous. Donc, bon. C'est marrant les rumeurs. Hein. C'est marrant parce que moi, j'aime bien parce que ces moments-là, avant les salons, parce que le TGS, c'est dans une semaine, hein, même pas. 4 jours, hein, c'est comment se prend le TGS. C'est un 21, non? C'est marrant que ça bouillonne comme ça. Après l'année un peu bif-bof qu'on a... Enfin, l'année bif-bof. Depuis, avec le milieu d'année bif-bof qu'on a eu. Là, c'est sympa. C'est pas comme à l'E3 où on s'attend bon, à Assassin's Creed 14, Call of Duty 8... bon, est-ce qu'on aura un retour d'une vieille licence de FPS? Là, c'est rigolo. Là, on se dit, mais Yakuza pirate. Voilà, il y a des choses quand même. PGW, oui, j'y vais. Oui, je pense que j'y vais. Il n'y a pas de raison que j'y aille pas. De toute façon, j'irai avec MO5. Donc soit je prends un pass presse, soit je prends un pass avec MO5, mais oui, j'irai. J'irai, il n'y a pas de raison. Attends, c'est quand la PGW? Parce que ça se trouve, c'est mon anniversaire. Donc, si c'est mon anniversaire, peut-être que je passe chez mes parents pour le week-end. C'est la semaine de la Toussaint, non, en général? Ça doit être... ce sera ou le 23 ou le 30, certainement le 30, hein. Ou le 31, la soirée presse. Mardi 22 octobre? Ah bah, non, mais j'y serai. Oui, j'y serai le 22 octobre, y'a pas de raison. VF6, par contre, j'y crois pas un instant. J'y crois pas un instant, ou alors juste un logo. Voilà. Ce sera tout, je pense. Ah bah, j'ai mon sachet de thé dans la bouche. Ouais. Juste un logo, rien de plus. Je vois pas plus que ça. Alors, si nous annoncent à la fois, ils ont Yakuza Pirate. Il y a encore deux autres annonces durant le TGS.
Il y a un petit end more, hein, vous avez vu, en bas de l'image. Donc peut-être qu'il y aura encore d'autres choses qui vont être annoncées. Ils nous font 4 annonces là, vraiment des trucs fermes pour le TGS. Non mais ça va être trop. Atlus, ah désolé Atlus, ça compte. Alors qui est, tu nous rappelles Kazartox, qui est Hidenori Soji? C'est qui ça, un nouveau producteur ou quelque chose comme ça? Le compositeur. Ah mais un compositeur, parce que justement j'ai newsé aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, qu'ils vont sortir, alors pour Sega Rally fête ses 30 ans en février prochain, et pour l'occasion, Sega nous ressort un double album de musique du jeu. En CD, comme à l'époque. Même pas en vinyle. Même pas de quoi exposer fièrement dans la bibliothèque, au-dessus de ma tête. Je vous jure. Même pas un remake, juste un double CD. Ah, ça va être sympa, hein. Ça va être sympa parce qu'il y a quand même... Bah évidemment, il y a Mitsubishi qui est de retour. Il y a Shoji Meguro qui est invité, qui fait un remix d'une des chansons. Donc ça va être sympa, ça va être cool. Mais après, ça fait quand même quoi? Je crois que c'est 40 balles le CD. Bon. Hein. Plus les frais de port. Après, c'est en vente sur Amazon. Et alors, justement, et puis c'est en vente sur Amazon, hein, Japon. Et de deux, qu'est-ce qui est aussi en vente sur Amazon Japon? Les goodies Sega du TGS. Donc, il y aura peut-être une petite commande groupée qui partira pour l'anniversaire. C'est possible. Peut-être qu'on se fera un petit plaisir. En tout cas, grosse actu. Ça, c'est cool. On s'était vraiment ennuyé depuis, en gros, février-mars. Là, ça bouillonne de partout. Je trouve ça génial. C'est très rigolo. Il y a plein de choses à dire, à faire. Donc, vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ah, on s'ennuie, oui, mais bien. Enfin, t'exagères. C'est vrai que c'est plus la grande époque où il sortait un jeu par mois, c'est sûr. Où on avait des Renegade Absin, des Rise of Nightmares, des The Cave, des London 2012, des The Club, les jeux Platinum, qu'on aurait dû racheter d'ailleurs, mais bon, ça... Moi qui décide, malheureusement. Mais bon, voilà. Cette année, elle est cool. La Donax Beast Rider. Voilà. Donc non, elle est cool, elle est trop cool. Elle est trop cool cette année. Je pense qu'on va s'amuser, et vous allez bien vous amuser au TGS, d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes déjà arrangé avec Virtua Hunter pour vous retrouver sur place. Pour vous retrouver à la soirée pré-TGS, ouais, ça va être... Franchement, ça va être classe. Sur ce, alors on va quand même attaquer, il est 21h, je sais qu'on a une heure de jeu devant nous. Donc, on va lancer notre petit jeu, peut-être que j'ai un peu de réglage à faire. Ouh, ambiance horreur. Pourquoi c'est encore... voilà, c'est parti. Alors, je pense que j'ai un peu de réglage à faire par rapport à l'image, mais on va lancer. Alors, on a assez d'émulation parce que, vu qu'il n'y a pas d'interactivité, je n'ai pas l'intérêt de me brancher à la console. On va se lancer Birdcage of Horror. J'ai totalement oublié hein, son nom en japonais, Grokuen. Je ne sais plus. Donc, c'est un jeu... Alors, c'est un jeu d'horreur. On va dire ça comme ça. Ce qui est un jeu en FMV. Sorti de façon épisodique hein, sur Dreamcast à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait un système de... Toutes les vidéos étaient sur les disques, mais il fallait forcément avoir fini un disque pour pouvoir regarder la suite, parce qu'il y avait un système de vérification online. Et ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que donc assez récemment, il y a eu un crack du jeu, ou un patch, on va dire, qui permet de passer outre la vérification. Et également, la personne qui a patché le jeu a donc remis les vidéos en meilleure qualité
qu'à l'origine, donc ça prend beaucoup plus de place que sur un GD classique, donc moins compressé. Et en plus, par-dessus le marché, a ajouté une traduction anglaise. Donc j'espère que vous parlez anglais. Je pense que vous parlez anglais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas du tout, apparemment, de gameplay. Donc c'est assez marrant. Ah bah parfait. J'ai bien calé mon truc. Donc, prenez le popcorn. Tamisez la lumière. Évidemment, on n'est pas au cinéma, donc on peut parler. Voilà, je vais pas me priver de commenter un petit peu ce que je vois. Bientôt réédité en digital sur PS5 Pro. Eh, peut-être. C'est quoi info? Vidéo track menu. Opening chapters. Oui, bah écoute, c'est quoi info? Y'a rien. Info, y'a rien. Écoutez, on va lancer, hein. Allez. Vous allez pas vous acheter une PS5 Pro à 800 balles sans lecteur pour jouer à vos jeux au même jeu, avec même framerate, mais avec 4 pixels de plus? C'est bien difficile. Et 30 euros le sac vendu séparément. Par contre, c'est bizarre qu'il reste les. Ça casse un peu l'ambiance, le fait qu'on ait encore l'affichage vidéo. On peut pas retirer l'affichage? Ah, d'accord, ok, c'est ça. Tac. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, on est bien. Là, on est immergé. Ok, d'accord. C'est. こちらからは申し上げられません。そうですね。ce qui est pas mal compressé, hein. お呼びしておきましょうか。コマドリ。あなたの莫大な借金はどうしたって目につきますからね。だからコマドリによって選ばれた。j'ai faim。よくもまあここまで借りたもんですな。c'est un sacré numéro。でもね。Et vous voyez, il y a moyen de vous dépasser de votre dette. Hein. Vous la rembourser par la mort. Ça va être très relou les petits cartons toutes les 30 secondes. Tout le monde parle anglais, c'est bon, je vais pas traduire. Hein. そんな方たちのためにこの契約が存在するんです。En fait, ça se trouve, c'est un spin-off de Yakuza. この契約を結んだら、本当に殺し合いが起こるんじゃ。第8条にもあるでしょ。この契約が住人相互の殺し合いを示唆するのではないかと理解するね。Le contrat n'influence pas les 10 personnes qui ont signé pour s'entretuer. それを読んだ上で判をしてくださってるんだ。指定のマンションに引っ越した段階で、en aménageant dans cet immeuble, 契約は正式に効力を持ちます。Donne un accord pour les termes du contrat. Je suis à 120 jours de Duolingo en allemand. Maintenant, je sais dire "Mein Nachbarn ist Türke." Alors. Alors, ich habe keine Fans. Je n'ai pas de fans. Super important quand tu voyages.
たせしました。そうか、引っ越しか。そうだっけ、一人暮らし。たまり場にされるとも知らずに。3泊4日のツアーとか。大歓迎。あ、ごめんなさい。じゃあね。Oh, ah, qu'il est relou, lui. Elle déménage, mais elle déménage loin, parce que... Elles sont pas tristes, un petit peu ? Grauenheim. Là, on parle allemand, là. Il va déménager en Allemagne ? C'est dur, hein. Il mérite pas ça. Ah bah si, il va en Allemagne, les pauvres. Hein. Ah super, je vais pouvoir réviser. Ça compte, hein. Ça compte pour une journée de strict Duolingo. J'espère qu'un grave n'arrivera à cette fille. J'ai usé toute ma chance et maintenant je fais du travail physique à mon âge. J'espère que t'auras plus de chance. Oui, je fais Duolingo allemand. Comme j'ai un projet pour le boulot qui est transfrontalier et que j'ai fait 10 ans d'allemand à l'école et que j'ai tout oublié quasiment, je me suis dit que c'était l'occasion de réviser, de reprendre un peu le vocabulaire. Ça revient vite, hein, mais... Parce que toi, tu fais quoi? Tu fais quelle langue pour Duolingo? L'anglais? Après, Duolingo, c'est bien, mais il faut déjà avoir des bases. Parce qu'il t'explique zéro grammaire. Mais alors, zéro, quoi. Enfin, bah, ça va, je me rappelais à peu près. Mais à un moment donné, on dit non, c'est pas der, c'est den. On dit pas pourquoi. Bah, en fait, elle est déclinaison, quoi. Et on t'explique pas les déclinaisons, on t'explique pas les différents, voilà, les différents trucs comme ça. Et bah, des fois, tu te trompes et on dit non, c'est pas comme ça. C'est ce mot-là. Mais on ne dira pas pourquoi. Et c'est assez frustrant. Donc je pense que pour vraiment démarrer dans une langue, Babel, c'est mieux. Mais pour se rafraîchir la mémoire, Duolingo, c'est cool. Et pour le vocabulaire. Oula, ils sont louches. Par contre, ce qui est marrant, c'est que t'as de la prononciation dans Duolingo. Exercice de compréhension orale et de prononciation. Sauf que l'allemand, il n'y a pas de difficulté en compréhension. Ah, mais c'est monsieur Garcin. Mais non, il est catcheur. Mais quelle est cruche, celle-là. Immoral. Est-ce que c'est un pervers? Ils habitent en Allemagne. Mais attends. J'ai pas compris, ils sont pas en Allemagne là. Ils sont dans un immeuble allemand. Ah, c'est ses grands-parents, je pense. Ouf. C'est pas très très Oktoberfest, hein, l'ambiance. En fait, c'est des gens endettés qui se débarrassent de leurs dettes en signant un contrat. Contrat qui stipule qu'ils emménagent dans un immeuble avec 9 autres personnes qui sont également endettées et qui vont essayer de les tuer, si je comprends bien.
Alors Asanos, le catcheur serait, voudrait vivre en Allemagne, il aurait un tatouage nazi. Hein. Je vous rappelle que dans Kinnikuman, on a quand même un catcheur nazi qui est un gentil. Takamura-san. Tetsu de iyo. Hikoshi wata? Tsunoda Nao-chan da ne. Ah, hai. Hikoshi owarimashita. Otsukaresama. Nani ka fuben na koto demo atta da itte ne. Hai. Ouais, t'as son champé sur la tête, il est quand même méga louche. Hein. Ah, so. C'est complètement fouché. Ça me rappelle les grandes heures des jeux Digital Eclipse. Digital Pictures sur Mega CD, genre Dracula Unleashed. Avec les trois décors qui se battent en duel et les postiches. Hein. Bah oui, bah. Oh. Oh, c'est pas les mêmes moyens. Surgical Strike, c'est Avengers. Hein. Hmm. Ah, ça drague déjà. Ah, regarde ça. Non, elle te veut pour elle toute seule. Hein. T'es trop cute. Hein. J'aime bien le fait qu'elle ait une table avec des deux rabats, comme si elle avait la place de les remonter. On sent qu'ils ont fait Emmaüs ou équivalent, ils ont fait les puces pour trouver des meubles, parce que qui irait acheter une table comme ça dans un si petit appart? Achète, Captain Silver. Captain Silver a besoin de toi et ta bibliothèque. Fais-le pour Zeros. D'où ça vient cette voix là? Ta belle. Incroyable. C'est des bois qui craquent, je sais pas. C'est une vieille maison. Ah, sacré corbeau. Je crois pas une seconde que c'est rentable d'avoir un café dans un immeuble avec genre 8 locataires. Hein. Les corbeaux. Et bah, c'est des corbeaux. Et voilà. Il est en panne. Ah non, il est arrivé. Il sait même pas courir. Oula, ça commence. Ah. Oh la vache. J'aime bien comment elle prend bien son souffle avant de crier. Genre, t'as le temps de faire ça. Moi, je vois un corps, je fais... Je sais pas. Ah, c'est la petite dame de l'escalier. Ah, ça joue mal. J'ai entendu le son d'une scie sauteuse. Je me suis dit, bon, bah c'est rien, c'est le vent.
J'entendais un bruit de scie et puis des os qui craquaient, je me suis dit wow. L'immeuble est vieux. Oh là là, mais c'est de pire en pire. C'est la tête, c'est la tête. C'est la tête qui flotte. Ah mon dieu, la tête qui flotte. On dirait les guignols. C'est quoi de mon con? Un livre. Qu'est-ce que ça peut... Oh, hein, des oiseaux. Ça sent le premier prix de question pour un champion, ça. Ah, c'est bien fichu. C'est fou, hein. Est-ce que le coup fatal serait pas, par exemple, le fait qu'il y ait une décapitation? Au hasard, hein. Moi je suis pas matérialiste, hein. Je suis pas du NCIS, hein, mais je fais ça en amateur, mais peut-être que... Ah bah voilà, Faust, bien sûr, le diable. Yeah! Ça valait bien le coup de prendre l'escalier, hein. Ah bah vas-y, soyons précis. Qu'est-ce qu'on découpait sur le toit, cocotte? Est-ce que ça faisait scrooch ou ça faisait... Ça faisait scrooch. C'est bête, elle jouait bien, elle. Malgré ses précautions, bien qu'elle ait pris l'escalier pour aller sur le toit, elle s'est fait tuer sur le toit. Putain, c'est quand même pas de chance, hein. En fait, je pense qu'il y avait... Je sais plus s'il y avait pas une espèce de système d'horloge interne qui fait qu'on avait droit qu'à 3 minutes par jour, hein. Je vois que niveau ambiance, bon. On est quand même plus proche d'une telenovela que de NCIS ou de CSI. Hein. C'est pas Seven, hein. Ça. Alors que même sans ça, t'es pris par... Oh, c'est très bon, ça, c'est 7-Eleven. Très très bon, très très bon. Ça marche plus les clips. Bon, je m'en repère en espérant que ça marche. Ah,
ça casse tout, hein. Ah, putain, ce plan. Madame connaît ses droits. Madame connaît le droit. J'ai pas d'idée pour un challenge. Est-ce que je refais un challenge où je ferai un jeu à la con avec les anneaux? Ça mérite un ban, Sarah Stanos. Alors, le suspect connaît l'anatomie. Il sait comment découper une tête pour tuer quelqu'un et comment mettre du gaz dans un oesophage, dans une trachée pour faire flotter une tête dans les airs. Et ben j'arrêterai de faire des sassettes et je ferai des rewinds à la place, vous serez bien feinté. Ah putain, c'est plan, c'est pas possible. Hein. Acupuncteur, hein. Il connaît tous les points d'énergie vitaux. そうなんでございます。苦節20年の梅の蕾、今花開こうとしている丸太梅子でございます。あ、トロンシュ。それはソーバグダノフか。だからじゃあ。ところで、皆さんには共通点がある。でもそれマリーポレキラリーズか。全員がなぜか同じ時期にここに越してきてるんですよ。訳を聞かせてもらえませんか。 C'est pas assez cut pour Jean-Marie Poiré en fait. Ça baise. C'est lui son lover. ま、夕べも特に気がついたことはありませんでした。唯一気がかりなのは私自身にアリバイがないことです。その、トゥッシュルは。ああ、クセパッション、ジェパダリビ。岩田善一郎さん。プロレスラーです。人呼んで、インモラル岩田。得意技は相手の股間をまさぐる。素顔を見せてもらえませんかね。 Mais Immorali Wada, c'est complètement un personnage de Katanex de Yakuza. Hein. Là, y a un second masque en dessous. Ah non! Bah oui, bien sûr. C'est les jeunes, le tueur. Voyons les choses du bon côté. C'est trop de jammer, après je pourrais plus ne plus aller à l'école. Il est tellement louche lui. Toute cette compression.
on voit absolument rien. Putain, mais elle est, mais c'est une chaudière, la meuf, là, vas-y, c'est pas subtil, hein. Mais j'ai pas de thé. Peu importe. Smooth. Oh la vache, ce montage. ストーカー被害に遭っていたとか。あらら。思い当たりませんね。マンションに住んでる。あらら。柴田愛子ですね。被害者との接点はありませんでした。ただ妙なことが。なんだ。医者のくせに失業してるんです。かなりのやぶだったみたいで。俺と同じだな。大田さんは 1人で動くことが多いんですか。ああ。手柄を 1人占めしたいから。 Vous avez vu? La caméra a un petit peu bougé. Hop, regardez, elle rebouge. Je crois que c'est le premier plan non fixe de la partie. Du film, on va dire. Eh, faudrait essayer de croiser les gens de Suimasen Turbo quand vous serez au TGS. Et faites la bise à Daniel Andreev de ma part. Ça va, je me débrouille. Tout va bien. Hier, il y a eu un meurtre dans l'immeuble. Mais ce soir, je baise. Bisous, Makoto. Oh là là. C'est une heure par chapitre, hein, donc on devrait finir vers 22h. Ça va. Il y a un meurtrier dans mon immeuble, mais ça va. Oh, un clown! La flip! Voilà, là je flip, c'est bon, ça y est, là j'ai peur. Ok. Est-ce que sa mère serait pas morte? Assassinée par un clown? Ou dans un accident? En allant au cirque. Putain, mais c'est sordide leur petit café là. Y a pas une lumière indirecte sur les murs quoi. Ils sont éclairés à la lampe de la caméra seulement ou quoi? Ah si, deux petites lampes. Ah quand même. Il y a encore Derrick qui a un peu de grain, quoi. Hop, là, c'est encore une transition d'une violence. Ah, ouais, non, ascenseur, pas safe. Voilà ce qu'on veut. On veut pas un Yakuza pirate. On veut un Yakuza Birdcage of Horror. Hein. Attends, allez, zoom, dézoom, ça bouge.
Ah, regardez ça, le metteur... Oh là, le bouton. C'est un faux bouton. C'est un faux bouton. Arrêtez, c'est un faux bouton. On voit que c'est du carton, c'est du faux. Arrête. C'est ridicule. C'est ton chum. Son père a signé le contrat, mais il a envoyé sa fille à sa place dans l'immeuble. Parce qu'en fait, c'est pas sa fille. Sa femme l'a trompé et du coup, il l'a assassiné. Je tente des trucs. Hein. Je fais comme Julien Chies. Je balance plein d'hypothèses. Il y en a peut-être une qui sera à peu près valable. Ah, la UHD. Mais elle y va? Mais... Ah, ils sont deux quand même. Ah, ok, d'accord. Ok. Ils sont pas trop trop bêtes. Totalement anticlimatique. Qu'est-ce que c'est compressé quand même? Pourtant, j'étais sûr d'avoir pris la version pas compressée de la vidéo.殺し合い。ああ。誰かが死ねば自分は助かるんだ。どういうこと？コマドリ。正体不明の契約者なんだ。契約の要点を読むよ。 1999年10月1日までにグラウエンハイムというマンションに入居し、1年間をそこで過ごすこと。契約期間中は全員の借金の利息をコマドリが全て肩代わりする。10名の契約者はコマドリを受け取り人とする生命保険に加入する。そして10名のうち5名が1年以内に死亡すれば、 残る 5名の借金相当額をコマドリが保険金から支払う。以上の内容を第三者に他言すれば契約は失効する。 C'est pas mal hein. つまりそのマンションで 5人が死ねば残る 5人は助かる。そうです。コマドリが生命保険金で借金を帳消しにしてくれるんですよ。 C'est quand même mieux que Squid Game, hein, je suis désolé. Hein. Son komadori te dare ka wakaranai no? Dare ni mo wakaranai. Osoraku kimi no otousan ni mo. Demo, watashi no otousan wa shakkin nanka. Nani yatteru hito? Kensetsu gaisha no shachou yo. Les yakuza. Sonna kaesenai shakkin. Les yakuza. Ima no gojise, kensetsu gaisha wa doko mo kurushinda yo. お父さんが契約を結んだかどうか確かめる方法がある。君、鳥類図鑑持ってない？鳥類図鑑？この契約書には意味不明の条文があってね。第2条、契約期間中は配布される鳥類図鑑に目を通し、鳥の名前を覚えること。
鳥類図鑑なんて持ってないわよ。それに片瀬さんの話にはおかしなところがあるじゃない。コマドリが誰かわからないのにどうやって契約を交わしたの？代理人が入ったんだ。横溝っていう弁護士だよ。横溝？Tout simplement un faux nom d'ailleurs。とにかくこのコピーあげるからよく考えてみるんだ。Je trouve ça assez intriguant en vrai. Bon, c'est super cheap, hein, évidemment, mais il y a un truc quand même. Et alors ? Mais lui aussi, il habite dans l'immeuble. Lui aussi, il a signé le contrat. Mais lui, il ment. Tu mens. Tout le monde ment. それが最近変わったんだ。変わった。契約上は7月の末から。新しい持ち主ってわかりますか？それがわからないんだよ。Il ment. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. その人の名前。 En fait, c'est marrant, ça me rappelle. Je sais pas si vous avez vu Ne coupez pas. Uncut of the Dead, le film japonais de zombies là. Et il joue exactement comme les acteurs au début du film. C'est génial. Oh là là, mais il joue comme une patate, lui. Je vous le conseille d'ailleurs, hein. Une Cut of the Dead, ne coupez pas en français. Et c'est vraiment super drôle. Et c'est une vraie déclaration d'amour au cinéma. Et je trouve que le remake français est moins intéressant. Pourquoi c'est écrit en romaji? Oh my god! Bon, papa, as-tu signé un contrat qui me fait vivre dans l'immeuble avec des assassins pour rembourser tes dettes? Oh, quel enfoiré! Ah, merci. Moi, j'ai appris à pas faire confiance aux beaux gosses dans les mangas. Mais... Elle aurait pu se faire buter frame 1 en arrivant dans l'immeuble. Je lui dis deux jours après, oh au fait, ferme ta porte à clé quand même. Incroyable. Mais du coup, si sa fille elle meurt, mais que lui est vivant, est-ce qu'il a quand même droit? Non, il n'a pas droit à l'assurance vie, ça n'a pas de sens. Hein. Ah, petit faux raccord. お前と同じだよ。このマンションの持ち主が誰かって。
Ça veut dire quoi en allemand, Grauenheim? Il l'a dit, non, le mec, au début? Katase-san, j'ai une question à vous poser. Je suis un homme de la vie. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Mon père a quelque chose à voir avec moi? Je ne sais pas, cela. Je ne sais pas. 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 Ça veut dire épouvante. Subtil. J'ai vu quelques fois des appartements. Je n'entends pas ce que tu me racontes. Discrétion là. Ça veut dire la mort en espagnol. Ah, genre maison hantée, train fantôme. Ça me rappelle un peu le début de House, du film House là, le film d'horreur des années 70 là. Mais quand même beaucoup moins intéressant, beaucoup moins stylé. Hein. Attends, mais ces plans fixes comme ça là. Mais c'est plan fixe comme ça là. どうして? お母さんが死んだ時、随分お金がかかったみたいなの。入院長かったから。ラデット。お父さんの借金って。その時のだと思う。だから私があのマンションにいて、お父さんの借金が返せるんなら。もう俺が何を言っても聞かないだろ? Alors, qu'en France? Voilà, c'est en fait c'est Breaking Bad. Slash cross Squid Game. Mais c'est à toi de les tuer les autres. Ne perds pas de temps, plus que 4. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut être proactif dans ta démarche. Prends ton destin en main. Il faut disrupter le fonctionnement du contrat. Startup Nation.本当によくできてるよ。感心してる場合?特にね、第7条。オツは契約期間中、いかなる理由であれ、1ヶ月に4日以上の外泊は認められない。こっそり外に逃げるわけにもいかないのね。うん。でもこの契約、誰が犯人か教えてくれてるのかも。犯人を? Ben ce contrat, il est illégal ce contrat, monsieur étudiant en droit, car t'as payé 4 fois sa première année là. C'est un mec de droite ça. Punir les gens endettés à cause du système capitaliste qui oppresse les plus pauvres, hein, les plus fragiles au profit. Le conglomérat a soif d'argent. Hashtag le Japon. Mais
お父さんとは関係ないけど、一人だけ思い当たる人がいる。誰？この建物の持ち主。Enfin, un peu sué quand même. Koreda, Granwenheim. Motinushi wa? Yukimura Saiko. Saiko Yukimura. Kokoda. Ah bon, mon dieu, un plan en extérieur. Oh, un nouveau décor. Qui est sûrement à 400 mètres hein, du parc pour enfants, parce que je pense qu'on est quand même voilà, sur un budget, mais... Ils ont même pas de budget pour faire les bruitages, même pas un ding-dong. Même pas d'effet normal, hein, comme dans les nuls. Ah, il n'y a pas de jus. Pas de caméraman, hein. Juste un trépied. Oh ! Et secret de la correspondance alors, on en est où là ? Délinquant juvénile, hein. Manquerait plus que c'était des cheveux en blond celui-là. Alors. Ah, bah la police est passée. Bah oui, bah la police, évidemment qu'ils ont fait un rapprochement de la police. Ils sont pas si bêtes que ça, quand même. Vous croyez malins, les petits gamins? C'est un Miyu? Elle était pas là, t'as qu'à travailler cette petite dame là, on sait pas. Ou ce monsieur. Elle était pas chez lui, c'est bizarre. Il était 15h30, hein, les gens travaillent dans ce pays, il me semble. Mais j'imagine tellement le carton de texte posé à ses pieds là, juste hors champ. Ah oui, bien vu, Kazartox. D'ailleurs, on a entendu une annonce. C'est un coin qui est très calme, je trouve. J'étais passé devant... parce qu'en fait, t'as le palais impérial qui est juste en face. J'étais baladé là, sur l'avenue qui sépare les deux, un dimanche après-midi. Il y avait vraiment pas grand monde. J'étais assez étonné du fait du peu de circulation qu'il y avait à cet endroit-là. Ah, mais c'est le pape! Ah, c'est pour ça qu'une gare comme ça, c'est assez central, il y aurait plus de trafic, mais en fait, pas du tout. C'est une belle balade à faire d'ailleurs, si vous voulez vous balader un petit peu dans ce coin-là, t'as tout le... T'as le parc du château du palais impérial en face de la gare, et pas très loin en fait, il y a le quartier des libraires. Hein. C'est une rue avec uniquement des librairies, avec des bouquins un peu anciens et des affiches, c'est assez cool. Et je crois que c'est dans ce coin-là aussi qu'il y a le Koshikawa Korakuen, qui est un des plus vieux jardins, ou le plus vieux jardin de Tokyo. C'est assez agréable. Bah, Tokyo, ce serait plus la gare de... Oui, après, c'est la gare qui part vers le nord, ouais. Non, c'est Ueno qui part vers le nord. Attends. Je sais plus. Non, parce que Tokyo, de Tokyo, on part vers le Kansai. Hein.
Je crois que c'est de Ueno qu'on parle plutôt vers Nico, un truc comme ça. Ah, dis donc. Ah bah, il y avait un précédent. Ah voilà, encore les Allemands. Voilà. Meuf, t'es sur internet. Ah, il n'y a peut-être pas de traduction sur internet à l'époque, mais non. Mais non, mais non.新聞で読んだあのマンションで事件が起こったようだね。グラウエンハイム。これを見てほしいんですけど。グラウエンの鳥籠事件か。知ってるの？レブブズミニテラ。大筋は知ってる。当時日本とドイツを行ったり来たりしてたから、あのマンションの名前を聞いて。 真っ先に頭に浮かんだのがそれさ。事件の詳しい内容を知りたいんですけど。1980年、今から19年前にドイツのシュトゥットガルトで起こった連続殺人事件。パイロン、カラルモン、サンプラティケ、アプレオタンタン。マジョディムシュ。ある民宿で殺人事件が起こった。殺されたのは 宿泊客の女性で全身を滅多に刺されていた。町の人たちはこの民宿を逃げ場のない鳥籠に例えて。ドラップタイトル。結局事件が解決されるまでに10人の宿泊客のうち5人が殺された。10人のうち5人。 初めのうちは警察も。あ、やねれせわざ。被害者が増えるにつれて民宿内にいる人々に疑いがかかった。まあ、レバンテッドゲイジーナ。イゾンフェカムカムタケシスカサラ。イゾンプレディトリストプロジュエ。イニシャルだけだな。お、ディドンウェ。お。しかし。 最終的に逮捕されたのはペーター・ゲイリングという名の民宿の管理人だった。 Pourquoi tu as une bonne tête d'allemand? 管理人? Comment il est menotté? Ça n'a aucun sens. 合鍵を使っていたらしいな。 その人はどうやって捕まったの? 証拠は? 証拠はなかった。 証拠がないのにどうやって? 現場の状況からわかったそうだ。 なんて言ったかな? プロファイリング? うん、そう。英語ではそう言ったな。 しかも犯人逮捕に結びつくプロファイリングを行ったのが C'était sa mère! 日本の医者だったそうだ。 日本人? うん。当時現地では 国際精神病理学会というのが開かれていた。 En fait, il invente tout! 世界各地から異常心理学の専門家が集まっていたんだな。 Oh, bullshit! Un homme est mort parce que quelqu'un, parce qu'un profiler à la noix a décrété qu'il était coupable sans preuve tangible. C'est sa mère. さらに女性だけでなく男も殺されている点、手口、それから死体の着衣の乱れなどから犯人はバイセクシャルで 40代の男性。 過去に性犯罪の前科があるものと推定された。その特徴に合致する人物は一人だけだった。Comme par hasard. 捕まった管理人で警察の尋問で自供に追い込まれた。プロファイリングをした日本人の名前ってわかる? 日本人の医師は2人いた。 1人は佐々木和恵。もう1人が、これだ。プロファイリングを実際に行ったのは
Yukimura Saiko. C'est sa mère, non? J'ai oublié son nom en vrai. Yukimura Saiko. C'est ta mère, non? Shitteru hito? Ano mansion no mochinushi. Ah non, pas du tout. Yukimura Saiko っていうの. Je mélange tout. Ah oui, c'est vrai. Merci. Heureusement que tu suis, hein. Parce qu'elle a fait accuser Proprio, alors que c'est pas lui. Elle reproduit ce qu'elle a vu là-bas, parce qu'elle a kiffé ce qu'elle a vu. Il reste encore 5 heures de film. Yukimura Saiko. Jinmeiroku nado wa atatta kekka, dousei doumei no eishi ga kochira no byouin ni kinmu shite ita to wakarimashita ne. Tashika ni Yukimura Saiko という医師がいました。腕の立つ精神科医でしたよ。異常心理学が専門の。異常心理学？年齢は？当時40を越してましたから、今なら60過ぎですか。En fait, c'est quand même sa mère. 現住所などは分かりません。Sous info, non. いえ、ちょっと特殊な事情がありましてね。それはどういう？雪村さんは学会を追放されたんです。追放？本人が異常な心理状態に陥りましてね。どういう？Mais l'Alzheimer de deux. Ah non. Belle mâchoire, hein, le policier. Mais comment t'es censé regarder ça en vrai? Je veux dire, maintenant, à l'époque des smartphones, je comprends que t'as un truc comme ça, tu swipe, tu regardes un jour, deux jours, t'as une alerte sur ton téléphone. Mais là, faut allumer ta console? Plus, ça n'a pas de sens parce que ils mettent qu'il reste plus que 300 sur 300 et quelques jours, hein, parce que ils doivent rester un an dans l'immeuble résident. Mais là, tout se passe en 3 jours, hein, c'est complètement débile. Hein. T'as pas le rapport. Hein. Ou c'est débile, ou c'est brillant. On saura qu'à la fin. でも誰かを操って同じことをやらせるなんて無理じゃない。容疑者の中に日本人がいたって言ったよね。ZI のイニシャル。Sur place 2, il y avait des vrais films, hein. Ah! 岩田さん。ごめん、驚かしちゃったか。岩田さんって。ん？Bon, ça devient l'inspiration de Big Bang Theory pour la discussion dans la cage d'escalier. C'est malin de changer la plaque dans l'escalier pour faire croire qu'il y a plusieurs étages dans l'immeuble. だって少なくとも刑事さんは人は殺さないでしょ。人は殺さないが疑うよ。どうぞ何でも聞いて。やけに協力的だね。それだけこっちの疑いが晴れるから。雪村彩子という人を知ってるね。知ってるようだね。ちょっとお父さんについて聞きたいんだが。お父さん。お父さんは雪村さんの連絡先知らないだろうか。ここの賃貸契約の時に会ってるはずなんだ。C'est sa mère。どうしてそう言い切れる。お父さん。Je n'en démordrai pas。契約は弁護士さんが間に入ったって。じゃあ奈緒ちゃんは。奈緒ちゃん。あ、失礼。角田さんはどうして雪村さんって名前を知ってるのかな。Cher。そりゃ。マンションの持ち主の名前ぐらいは。
じゃあ彼女がどんな人間かも。どんな人間？知らない。どんな人間なの？精神科の医者だったが、まともじゃない。ゴッドコンプレックスという異常心理に取りつかれて学会を追放されたんだ。医師や権力者などが陥る異常心理のことなんです。つまり他人の命や生活などを支配できる者が自分が神のように全能であると思い込むんです。他人を意のままに操れるとね。Ah mais c'est mes 5 ans, je vois que ça oui, ok. C'est Manumax, hein. ここを出て開業した雪村彩子は自分の患者を使ってその実験を行った。実験？ええ、患者の心理を利用して様々な行動に追い込んだんです。それを論文で発表したために物議を醸しましてね。一時は医師免許の剥奪も検討されたとか。具体的には患者をどうしたんです？ええ、自殺企画を思いとどまらせるといった有益な実験もありました。しかしその一方で窃盗や傷害といった反社会的な行動に走らせたり。 Bonnes pierres énergétiques rechargées dans la terre une pleine lune et pas ces suicidaires s'envolent. Mais bon, ça évidemment on nous le cache. よく会社のためとか言って不正な取引をする事件がありますよね。Oh là, regardez cet effet. Oh là là, mais c'est l'effet Sam Raimi avec la caméra qui fait comme ça là. Ah, hop là, ok. 普通の人間じゃない。今後一切関わらない方がいい。分かった。Mais on connaît pas sa tronche, monsieur le policier. Comment tu veux qu'on l'évite, hein? Enfin, c'est insensé cette enquête là. Lanzboro no mail. Daigaku de naatta en dakedo, ningen o ayatsuru hitotsu no rei da yo. Lanzboro tte iu shinrigakusha ga kangaeta setsu de. Hora, yuenchi toka de ookina mero ga aru daro?あれは中に入ってから出てくるまでの平均時間が決まってるんだ。どういうこと？え、c'est votre immeuble, ça, les gars, les gens。人を殺人に駆り立てる迷路なのかも。じゃあ、c'est le oui, mais c'est le contrat。住人の中に。Mais c'est écrit dans c'est écrit dans le contrat. Vous avez pas lu le contrat？ 雪村彩子に操られてるんだ。On l'a quand même.Oui, évidemment, ils s'entretuent, les locataires, enfin, c'est leur intérêt, enfin, que... Sérieusement. Mais oui, enfin, t'as pas... Ah si, il y a un lecteur CD. CD cassette. Mais c'est l'enfer, ce bar. Ah, oh là, attention. Il va se passer des choses.コーヒーを。super、お bon accueil、bonjour。例の事件以来、夜になると満員盛況で、ここしか安心できる場所はありませんからね。片瀬さんと奈緒ちゃんがいれば全集合ですよ。Miu en a ras le bol. Espèce de faux suspense pourri. Ah, qui a bloqué l'ascenseur encore une fois. Arrête, Miu. Qu'est-ce que tu veux? Mais. Tu m'agresses encore, hein? t'arrives pas à me choper par derrière, t'es trop. T'as ton gros bidou.Hein, t'es coincé sous le bureau. Oh là, mon dieu! À mort! J'ai tout raté, Miu, par ta faute.
Alors, heureusement... Ah non, merde. Hi, moshimoshi, cafe noir. On avait dit, faut pas aller dans les... Hein? Fallait écouter la jaquette du film d'horreur L'Ascenseur. Où t'as un ascenseur tueur dans l'immeuble. Et le sous-titre, la punchline, c'est « Par pitié, prenez l'escalier. » Tu prends l'escalier, il n'y a plus de film. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, lui ! Mais alors, il bat tout leur corps, hein. もしもし今からみんなが行くから待ってるんだアリバイがどうなって何のこといいから待ってるんだべ、comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mort, cocotte! Salut, Mila! Comment ça va? Incroyable! Pourquoi il parle d'alibi après un meurtre? Ils ont même pas la bonne focale pour que tout le monde rentre dans le cadre correctement, c'est génial. Ça va, écoute, on regarde du grand cinéma. Hier, Fleuve Noir, aujourd'hui, Birdcage of Horror. Ah, voilà le corps. Oh, les yeux. Oh, c'est moche. La musique. On dirait Daddy Prevention avec l'air sifflé sorti à tort et à travers. Hein. Ah, regarde le clown. Ah, mais il y a zéro choix. C'est-à-dire que c'est juste un film. Il y a zéro gameplay. Ah, mon Dieu. Ah bah. Il y a zéro gameplay. Bon, il y a des gens qui montent l'Everest avec des Sherpas, des caméras, des machins pour sortir un film dans 500 salles. Alors que là, avec un pouillème du budget, tu fais une espèce de masterclass de 6 heures. Franchement, à côté de ça, les moissons du ciel, c'est voisin-voisine, hein. Ah oui, mais sur YouTube, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas une grosse plus-value à regarder ici. Hein. Je tente de faire un peu des vannes, mais les vannes, en fait, s'écrivent toutes seules. Hein. Juste, le film est une espèce d'immense vanne. Hein. Mais j'avoue que je me prends au jeu de l'intrigue. Hein. C'est sa mère! Depuis le début, je le dis. Allez, c'est la fin du premier épisode. On regarde l'interview et on regarde l'interview. Eh ben dis donc les enfants, mais quel suspens. Quel cliffhanger. Je savais que c'était la mère. J'aurais quand même avoir une image du caméraman. Ils n'ont même pas de quoi. Le Japon, c'est un pays où ils payent des gens pour tenir un panneau dans la rue, mais ils ne payent pas quelqu'un pour tenir un micro sur un tournage. Et moi, je trouve ça beau. Ah, c'est quoi ton film d'horreur que tu as vu, là? À l'étrange festival, non? On va se faire spoiler, hein. On va éviter le spoil, parce que là, je sens qu'on va se faire spoiler. Menu. Putain, le juice. Allez, on s'arrête là pour ce soir. Est-ce que ça vous a plu? Non, évidemment que non, c'était nul. Impetigore de Jojo Anquar. Alors, pas de cage à Horror. La question c'est... Et c'était bien du coup, Impetigore?
Si on fera pas bon, le film d'horreur, j'irai pas le voir. Mais juste pour la culture. Un peu lent, mais ça va. Ok, je t'en train de retenir. En plus, c'est facile à retenir comme nous, un petit gore hein, pour un film. C'est un film qui est un petit peu gore. Mais écoutez, c'était franchement c'est rigolo. Je pense que je vais continuer. C'est plutôt cool. Une petite heure, comme ça. En plus, j'ai pas trop de temps là parce qu'on prépare Game Story avec MO5. Donc, il faut que je taffe après. Donc, c'est pas plus mal de faire des streams un peu courts comme ça, un truc un peu épisodique. Ça va nous faire 3 semaines. Donc c'est pas mal. C'est, franchement, il y a un truc. C'est pas très bien, mais c'est pas chiant. Donc ça va. On va continuer sur notre lancée. Oui, enfin, effectivement, après, c'est... Ouais. Je pense qu'on peut avoir des surprises. Mais donc, c'est plus nanar que navet. Donc ça va. Ça va. Franchement, on s'ennuie pas trop. Donc moi je suis contente. C'est une bonne expérience. Ça me fera un test facile à écrire. Hein. Parce qu'on garde ça à l'esprit aussi. Donc, let's go. En tout cas, bah, écoutez, merci à tous pour votre présence ce soir, pour cette grande séance de grand cinéma, hein, évidemment. On se retrouve à Zeros jeudi, je sais pas à quoi il joue. Je sais pas s'il joue à 13h ou pas. Moi, je vous laisse avec personne. Allez vous coucher. Il est 22h13. Voilà, dormez vos 8 heures de sommeil, c'est important d'autant qu'on rentre dans l'hiver hein, et qu'on a la peau sèche. Et du coup, bah, quand on dort mal, la peau est encore plus sèche. Ça, c'est un fait de la vie, c'est comme Céline Dion. Pas la jeudi ni lundi prochain. Bah écoutez, du coup, nous, c'est jeudi soir, rebelote. Et peut-être que... Est-ce qu'on se fera pas un petit restream du RGG Summit vendredi midi? Peut-être. Peut-être, on verra si j'ai le temps. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Kazartox, bon séjour au Japon, bon TGS. Fais la bise à tout le monde. Et bonne nuit, prenez soin de vous. Allez, ciao.